You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut toutes et tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui sur Green Hell, ce jeu développé par Creepy Jar et un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Et le pire, c'est que pour ceux qui me connaissent depuis un bon moment maintenant, vous le savez, mais pour ceux qui m'auraient découvert, je sais pas moi, durant les 3 dernières années, eh bien peut-être que vous ne le saviez pas, mais j'avais fait un let's play sur ce jeu il y a presque 5 ans. Allez, dans tous les cas, il y a plus de 4 ans, j'ai fait donc un let's play sur ce jeu que je vous invite pas forcément à aller regarder parce que bon, la qualité n'était pas forcément terrible. Hein. Aujourd'hui, je fais bien mieux et puis je vous invite vraiment à aller regarder les let's play d'autres collègues qui ont fait des magnifiques aventures évidemment sur leur chaîne YouTube. N'hésitez pas à checker. Green Hell, un jeu qui est vraiment dingue mais qui... J'avais envie d'y retourner, mais c'est très compliqué d'y retourner quand on a déjà fait le mode histoire. C'est très compliqué de relancer, de recréer en fait le scénario parce que bah, comme tu connais tout du jeu, en fait, tu connais l'histoire, il n'y a plus de rebondissements. Ça fait partie des jeux malheureusement que tu peux pas recommencer plusieurs fois. Voilà, il y a des jeux que tu peux recommencer plusieurs fois, des jeux de survie, même, je sais pas moi, par exemple The Forest. C'est le genre de jeu que tu peux recommencer en soi, même si tu connais l'histoire. Mais Green Hell, j'y arriverai pas. Voilà, je sais pas vous expliquer comment. Peut-être que le scénario m'a tellement... enfin, je sais pas, j'étais tellement à fond dedans, peut-être il y a 4 ans, je ne me reverrai pas me relancer là-dedans. Donc dans tous les cas, ici les amis, il n'y aura pas de spoil, il n'y aura pas d'histoire de... Il y aura pas d'histoire d'histoire, j'ai envie de vous dire. Puisqu'aujourd'hui, on va lancer le mode solo et le mode donc survie. Non pas histoire, mais le mode survie. C'est-à-dire, concentrez-vous uniquement sur votre survie dans ce mode sans fin. Donc, voilà, l'idée ça va être de juste pas mourir. L'aventure se terminera si on meurt évidemment, mais voilà. Et on va se mettre en niveau. Problème de santé, c'est trop facile évidemment. Bienvenue dans la jungle, c'est déjà assez compliqué. Roi de la jungle, c'est l'enfer avant l'enfer vert. Voilà, donc on va quand même rester sur Bienvenue dans la jungle parce que ça reste un jeu qui est, les amis, très 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 compliqué. Voilà, regardez les... Oh là là, les souvenirs. 6 octobre 2020, la sauvegarde du mode histoire. Oh, c'était complètement dingue. Là, j'avais voulu retenter justement le mode histoire et c'était en 2023, fin 2023, donc il y a un an. Et c'était là que je m'étais rendu compte que c'est impossible de recommencer le mode histoire quand on l'a déjà fait une fois. Parce que c'est terrible, voilà. Donc on va se prendre donc une troisième sauvegarde. Et voilà, c'est un jeu donc en fait de survie en monde ouvert. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, le scénario, le synopsis. Vraiment, le mode histoire est vraiment cool, vraiment bien. J'ai adoré ce jeu. Et c'est donc un mode de survie dans la jungle, dans la forêt amazonienne. Ni plus ni moins, c'est un jeu de survie donc en monde ouvert qui est très difficile, très compliqué, parce que très réaliste. Franchement, très poussé en tout cas en termes de simu de survie. Voilà, il y a des santé mentale, par exemple, à prendre en compte, et beaucoup de choses, tous les dangers de la forêt amazonienne évidemment. Il y a, voilà, très peu de chances de survivre plus de je sais plus combien de temps. Donc voilà où c'est qu'on spawn. Ce qui est cool aussi par contre, c'est pas comme The Forest ou Sons of the Forest, c'est à dire que je ne connais pas la map là en fait, je sais pas du tout où je suis. Donc c'est vraiment cool. Et donc vous allez voir, dès les premiers instants, les premières minutes sont cruciales évidemment sur ce jeu. Je ne sais plus du tout comment ça fonctionne. Voilà, on peut s'examiner, on peut avoir eh bien des bêtes qui nous suce, hein, bien sûr. J'adore me faire sucer, mais pas par les bêtes. Si vous voyez ce que je veux dire. C'était évidemment une blague de très 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 mauvais goût. J'en ai parfaitement conscience. On a le sac à dos qui est vide. Alors là, l'idée, je crois, dès le départ, il faudrait trouver des cailloux. Et peut-être essayer de quitter cette végétation, cette verdure, parce que là, à tout moment, on se prend un serpent. C'est un jeu aussi... Alors voilà, là, je parle beaucoup en ce début d'aventure, mais c'est un jeu où il faut quand même être attentif au son et pas faire trop de bruit. Alors ça, ça c'est très mignon. Ça, c'est du champignon, ça. Alors, je peux le prendre. Pour l'instant, ça suffira. Des champignons inconnus, on va les prendre. On va pas les manger, hein. Ne pas manger ce qu'on ne connaît pas. Alors, on a des sangliers. Ouais. Ah, attendez, parce que là, plume d'oiseau, je prends. On va pouvoir faire des flèches avec ça. Des bâtons. Ça, c'est parfait. On récupère tout ce qu'on peut. Hein, vous allez voir, on n'a pas un inventaire illimité. On peut pas transporter tout d'un coup. Pas comme sur d'autres jeux de survie un peu plus simples qui font du bien, me diriez-vous. Alors, j'ai vraiment l'impression que je vais me faire soulever par les sangliers.
Oh, un escargot. Alors attendez. Non, c'est une ampulaire. Oh, c'est très adorable. On a déjà une construction ici. Je sais pas si c'est vraiment le top. Alors attendez, on va ouvrir le carnet. Parce que là, on a pas mal de choses. Rangement pour bâton. Oh là là, mais alors il faut savoir que le jeu a été mis à jour depuis tout ce temps. Donc il y a énormément de nouveautés que je suis pas du tout au courant. Mais voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Que ce soit la santé mentale, les protéines, les glucides, les lipides, évidemment l'eau. L'eau, voilà, on connaît. D'accord, et donc là il y a toutes les constructions qui sont débloquées en fait en mode survie. Oh c'est superbe, on peut tout faire en fait dès le départ. On va se faire une belle maison les amis. Enfin on va essayer, parce que je sais pas trop comment faire. Vous allez voir, c'est vraiment pas juste... c'est pas juste tu poses et t'appuies sur un bouton et ça se fait tout seul. Non non, c'est assez technique, vous allez le voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent vous savez déjà. C'est un enfer hein. Et voilà voilà, vous avez entendu ce bruit. C'était quoi ça? Je croyais que c'était un serpent mais ce n'était pas un serpent. Par contre j'ai toujours pas d'armes. Alors regardez par exemple avec mes bâtons. Qu'est-ce que je peux faire avec mes bâtons là? Je peux rien faire. Ah, alors je peux les récolter. Et donc normalement ça va me faire des petits bâtons. Pas du tout. Le mec ne comprend rien à ce qui se passe. Bâton, petit bâton. Si si, tout à fait, ça m'a fait des petits bâtons. Fabriquer. Voilà, là je peux fabriquer des choses. Là je peux faire un allume-feu. Alors ça c'est super important. Oh, bon, alors là, le hasard fait bien les choses. Je viens de me fabriquer un allume-feu parce que le feu c'est très important. Je sais que pour allumer un feu d'ailleurs il nous faut bah, du charbon. Ça c'est incroyable. Mais c'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut un nid d'oiseau ou des trucs secs, des feuilles sèches. Voilà des oh là là, superbe, des lianes. C'est magnifique. Faire de la corde. Je trouve vraiment tout ce que je veux sauf des cailloux. Il me faut des cailloux, il me faut une arme en fait dès le départ quoi, pour pouvoir bah, couper des choses notamment. Pas forcément agresser les gens, mais surtout pour bah, avoir quelque chose dans la main là, parce que là ça fait un peu peur. Donc plutôt pas mal ouais. Alors là on a des bûches et des feuilles de bananier. Attendez, bouge pas. Bouge pas. Alors si on dort à même le sol, c'est une très très mauvaise idée d'ailleurs. Alors là on a des feuilles de bananier. Ouais mais je peux pas m'installer là les enfants. Je suis dans un village. Oh. Oh, je viens de ramasser un couteau. Un petit. Ah ouais, un couteau en os. Alors ça c'est cheaté. Oh, je viens de récupérer un petit couteau, j'ai même pas fait gaffe, c'est superbe. Et alors là. Alors je peux rien faire d'autre avec ça. Ouais mais on va pas s'installer là les enfants. Parce que ça sent vraiment pas bon. Alors merci pour le couteau. Je vais pas traîner. Là on peut étendre la nourriture. Ah ça c'est vraiment bien joué le couteau. Parce que techniquement c'est toi qui le fabrique avec tes cailloux. Là j'ai énormément de chance. Attention aux abeilles, ça pique. Est-ce que je peux récupérer ça? Non. Faut que je... Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi hein, les amis. Là c'est pareil. Si je veux, je peux casser ça et récupérer des feuilles de bananier. Mais pour le moment on sait pas encore où c'est qu'on va s'installer. C'est vrai que là il faudrait se trouver un... Il faudrait vite, ouais, il faudrait vite se trouver un coin de fortune. Donc déjà on va s'éloigner sans trop courir. On va s'éloigner d'ici parce que c'est pas le top. Il faudrait qu'on se trouve un endroit plat. Alors j'ai participé à Koh-Lanta, je m'y connais bien. Des fruits. Alors ça c'est parfait. Ça c'est parfait, c'est sûr que ça se mange. Il faudrait ouais, qu'on se trouve un endroit plat et surtout dégagé. Alors si on peut se sentir en sécurité c'est cool. Mais dégagé, je veux dire qu'il n'y ait pas trop de feuilles. Bon au pire on fera de la place. Tu vois, un endroit comme là. Un endroit comme là, mais là j'entends des bruits de pas. Ce n'est qu'un animal. Très bien. Un animal pas vilain. Je pense qu'il est pas méchant. Une souris, oh non. Là c'est pas mal. Mais là on risque d'être de se faire agresser. Attendez, là il y a... Attendez, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est un accès que j'aime bien. Ok. Ah. Ça c'est un accès que j'aime bien. Oh. Ça c'est un bruit que j'aime pas. Mais là c'est un endroit qui me plaît. Voyez-vous en hauteur comme ça là? Pour commencer. Et là on a enfin de la pierre. Bah, il était temps qu'on trouve de la pierre. Ah c'est superbe. Par contre, il y a une grotte là. Hein. Il y a une grotte. Nouvelle entrée. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Nouvelle entrée. Parce que là il me découvre plein de trucs, je suis au courant de rien là.
Ok. Bonjour petit lézard. On découvre ensemble les amis, je ne connais pas. Mais attendez, alors je sais pas du tout s'il y a des je crois pas qu'il y ait des... Ah si, il y a des jaguars. Il me semble qu'il y a des jaguars. Mais par contre ça m'a l'air safe. Bon un peu... Ouais non, bof. J'ai un peu peur, en vrai c'est un sup... Oh, des fruits encore. Attendez, c'est un super endroit là. Mais j'aime pas la grotte derrière, ah c'est chiant. Attendez, venez, on avance encore un peu quand même. J'avais juste entendu un serpent par là, faut faire attention. Je récupère à chaque fois que je peux des choses. Mais attention, on n'a pas un inventaire illimité, je le rappelle. Hop là, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'ailleurs que ce couteau ne se cassera pas. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Ah là c'est pas mal là. C'est pas mal en vrai, non? Oh! Oui, oui, oui. Oh! Alors attendez. J'aime un peu moins ici. Ok, venez les amis, on va s'installer là-haut. C'est bon, allez, on va pas commencer à tergiverser. Je vais en profiter. En plus, on a plein de, ouais, bah, on a plein de feuilles de bananier là. Donc c'est juste impeccable. On va ramener ça là-haut et on va commencer à établir un petit camp. Parce que bah, c'est de la survie, voilà. Hein, c'est de la survie, hein, c'est pas de la Minecraft House là pour le coup. Donc déjà, on va commencer dans l'ordre. Alors attendez, comment on fait? Comment on fait? Alors bon, voilà, déjà on va faire un petit abri avec des feuilles de bananier. Ça c'est des feuilles de palmier. Tu te fous de moi ou quoi? Petit feu, oui un petit feu ce serait important également. Alors vous savez quoi, on va faire un petit feu par ici. Non, par ici. Ok. Comment j'annule? Ah c'est gênant. On va mettre les petits bâtons qu'on a. Ah j'ai plus de bâtons. J'ai plus de bâtons. Attendez, bougez pas. Non j'ai plus de bâtons en effet. Par contre il pleut là. Vraiment? Il pleut déjà? Alors c'est pas mal qu'il pleuve. Ça va nous permettre de boire. Ah, j'ai récupéré un grand bâton, je n'en veux pas. Voilà. Maintenant je peux le prendre. Il y a un ordre assez précis hein, pour ramasser les objets, c'est assez technique mais j'aime bien. Et du coup je vais hop, casser un peu ce bâton là. Pour pouvoir... Voilà. Bon. Maintenant, on a notre allume-feu. Bon là, il pleut. De toute façon, ça sert à rien d'allumer un feu. On a l'allume-feu. D'accord. Mais on n'a pas les... On peut pas créer de braise. On n'a pas de nid d'oiseaux ou de matière sèche. Oh, c'est terrible. Ah si, la lame va se casser. Bon, on va un peu dégager la zone. Comme on peut, voilà. Ça aussi on va casser, comme ça on va récupérer les bâtons. Pour être très utile. Ça c'est des feuilles de quoi ça? De palmier. Et ben voilà, des feuilles de palmier. Impeccable. C'était ça qu'il nous fallait. Alors attendez, tac. Petit abri. Hutte. Ah. Autant se faire un beau petit abri quand même en vrai. On est là pour du luxe. Oh, et on va être Gucci là. Hop. Et là on va être pas trop mal. On va être pas trop mal. Par contre... Oh non, j'ai jeté un caillou. Voilà. Du coup... Voilà, il va falloir placer, comme vous pouvez le constater, ça y est, il fait déjà beau. Dans l'ordre, des bûches. Ok, 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 des bûches, des bûches, des bûches. Donc pour ça, il faut faire une hache, bien sûr. Ah putain, laissez-moi me concentrer, vite, dépêche-toi. Une hache, comment on fait une hache? Eh ben, c'est facile. C'est facile, alors comment on fait déjà pour ouvrir l'inventaire? Là, fabriquer. Alors les amis, il nous faut... avec des petits bâtons, on va pas aller loin, ça je te dis. Ça, on va pas aller loin. Non, parce que je sais qu'il va nous falloir... Attendez, j'avais pas ramassé une pierre. Si, une pierre. Ensuite, j'ai de la corde. J'ai de la corde, là. Voilà. Bâton. Bâton affûté. Et ben voilà, c'est pas mal. C'était pas ça que je voulais faire, mais c'est cool en vrai.
En vrai, non mais en vrai, c'est pas mal. Bâton affûté. Oh, c'est vraiment nul. Il me faut une hache. Il me faut une hache. Comment je vais faire une hache pour couper du bois? Vous avez compris, il faut que je coupe par exemple cet arbre là, hein. C'est pas gagné là, hein. Est-ce que ça marcherait ça? Non, il y a aucun monde où ça fonctionne. Bon bah alors attendez. Voilà, déjà, c'est sûr il me faut du bâton pour faire le manche, voilà. Ça c'est pas un problème. Les longs bâtons, je vais les ramener à la base par contre. Ça va être également important. Voilà. Par contre, ah ouais non mais attendez, là j'ai un problème, il me refaut de la pierre. Oh putain, c'est vrai. Il me refaut de la pierre. Dans tous les cas, il me faut de la pierre. Alors avec un peu de chance. Avec un peu de chance, on va voilà de la pierre. Attendez, comment je fais? Récolter. C'était pas ça que je devais faire, je pense. On va essayer, c'est pas grave. Fabriquer. J'ai peut-être fait une bêtise, mais on verra. Pierre. Corde. Bâton. Il veut peut-être une deuxième pierre. Hache. Let's go. Ok, c'est bon. Excusez-moi, je me suis enflammé. Là, j'étais très content de ma prouesse. Voilà, maintenant, on a une hache. Je suis très content, voilà, j'ai vraiment l'impression d'avancer. Et on va couper. Alors cet arbre, j'aime bien cet arbre en fait. C'est cet arbre là que j'ai envie d'enlever. Je croyais qu'il y avait des méchants. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le constater, la hache va casser avant que je détruise cet arbre. En bas à droite, vous avez la jauge de résistance. Et en bas à gauche, vous avez... D'ailleurs, mon énergie qui est en train de... Voilà, ma hache vient de casser. Ma hache vient de casser. Cet arbre ne va jamais tomber. C'est incroyable. Donc, il faut que je retrouve encore de la pierre pour refaire une hache. On se fout de moi, hein. Évidemment. Ce jeu est très compliqué. Oh, c'est mignon, ça, en fait. Comme animal. Alors, attention à pas trop traîner dans l'eau. Il peut y avoir des crocodiles également. Bon, peut-être pas ici. Peut-être pas ici. Tiens, ça je prends. Oh, grosse pierre. Alors attends, ça c'est superbe. J'adore me tromper de touche. Eh, je peux fabriquer des trucs avec ça directement. Grosse pierre. Ah dommage, je pensais que je pouvais faire une grosse hache. Qu'est-ce que je peux fabriquer avec ça, vous pensez? Une grosse pierre et une corde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Je vois pas du tout. Bon, je vois pas du tout ce qu'on pourrait faire avec ça, mais c'est pas grave. Allez, on va récolter la pierre. Et le soleil est déjà en train de se coucher, on a même pas de quoi dormir, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. C'est terrible. Bah, j'ai pas privilégié le direct. Bah, attendez. 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 Privilégions le direct. Déjà, on va se refaire la hache, d'accord? Ça, c'est pas un problème. Tac. Hache de pierre. Oh, bah voilà, il suffit de faire de la... Attendez, c'est moi qui comprends rien ou quoi? J'ai même pas mis de corde. Hache. Je peux en faire 4? Ou c'est plus résistant? Ah oui, bah c'est ça. Bah, je me suis fait arnaquer, j'ai fabriqué plusieurs haches, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah bah si, parce que plus tu les fabriques et plus elles sont résistantes, les amis. Impeccable. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va quand même couper, essayer de couper l'arbre, attendez. Si on arrive à abattre l'arbre, on sera pas mal. Et puis sinon, c'est pas grave, on va se faire un lit de fortune rapidement. Avec les bananiers qu'on a, les feuilles de bananier. Ouais, non mais là j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Faut récupérer les lianes avant ou... Il y a même pas de lianes à récupérer en plus. Pourquoi? Allez, coupe-moi cet arbre. Montée divine. C'est incroyable. Non mais on se fout de moi. Hop, merci. On se fout de moi, je pense qu'on va devoir aller se faire foutre.
Et du coup, attendez, parce que ces deux haches là vont être plus résistantes que les deux précédentes. Donc je vais les jeter là et je vais récupérer. Là, regardez la résistance en bas à droite, elle est déjà bien meilleure. Par contre, j'en ai. Je me suis fait arnaquer. Donc vite, vite, il faut se faire un lit de fortune. Parce que là, sinon, on est mort. Tout simplement, voilà. Alors, comment on fait? Hut, c'est bien, c'est superbe. Petit feu, superbe, superbe. Lit en feuille. Voilà, on n'a pas le choix. Avec des feuilles de bananier, j'espère. Et non, il veut des feuilles de palmier, bien sûr. C'est pas grave, on a ce qu'il faut derrière. Voilà. Il m'en faut encore. Je pense que j'en aurai assez. Et évidemment, il m'en manque une. C'est bon. Voilà. Bon, déjà au moins on a un lit en feuilles. Parce que dormir à même le sol, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et moi, je ne sais toujours pas couper cet arbre. Je ne comprends pas. Alors, peut-être que ça se coupe pas en fait, je suis bête. Et c'est ça qu'il faut couper en fait. Je suis juste débile. Je suis trop con. J'ai cru que j'avais une tronçonneuse en fait. Ok. Et ça, ça fera des troncs ça, mais bien sûr. Et voilà. Parfait. Ah, je suis un peu bête. Hein. C'est pas grave. Hein. Alors, on va placer ça. Hop. Ensuite, j'imagine. Ok, les longs bâtons. Donc là, je crois que j'en avais. Hein. J'en ai un, j'en ai deux. C'est déjà pas mal. Hop. Voilà, va falloir récupérer des longs bâtons. Oh, une grosse pierre, je ramasse. Alors, quand je dis je ramasse, je récolte, c'est pas pareil. On va être pas mal là, on va être pas mal. Là, j'ai un long bâton. Il y en avait un deuxième, non? Là, parfait. On peut plus en prendre deux par deux, il me semble. Hop. Ah, j'en avais placé deux devant ici, c'est parfait, impeccable. Et on peut placer la corde. Sauf que j'en ai pas de la corde, mais c'est pas grave. Regardez, il y en a là. Et de une. Et de deux. Ça va être fastidieusement long. Et de trois. Et de quatre. Et de cinq. Le soleil se couche, j'ai très très peur. Mais on a de quoi dormir et ça c'est top. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas pensé, c'est la nourriture. Mais on a des fruits sur nous, donc c'est pas mal en vrai. Il me refaut encore une corde, s'il vous plaît. Là. Voilà, on va pas trop s'éloigner. On va pas trop s'éloigner. On va placer les cordes. Hop. Hop. C'est pas évident là comment je me suis placé. Tac, tac, tac. Et... tac! Et il manque plus que les feuilles de palmier. Bah, j'en ai qu'une seule. Hop, je vais pouvoir la placer. Et vous savez quoi? On va dormir. On va dormir, sauf que je vais mourir de faim. Alors attendez. Avant que ce soit périmé d'ailleurs. Parce que vous avez vu détérioration dans 8 heures. Donc le temps que je dorme, ce sera périmé. Ça, ça a encore le temps. Ça, les champignons, ils ont encore le temps. Et ce fruit, on ne sait pas ce que c'est. Vas-y, je vais le manger. Délicieux, 25 glucides, 15 protéines et 10 énergie, c'est magnifique. Et un petit fruit avant de manger, même si normalement c'est pas très recommandé. En plus ça donne de l'hydratation. Parfait. Allez, on va dormir. On va voir ce que ça va nous donner. Est-ce que j'ai réussi mon coup? Oh, ça c'est pas bon du tout ça. On va se réveiller à 2h du mat. Oh la douille. Oh la douille. Par contre la lune nous éclaire d'une manière magnifique. On a même pas pu allumer le feu encore. J'ai toujours pas de... Attendez. Feuilles séchées. Let's go. Eh ben. Tu rigoles ou quoi? Fabriquer. Attends, mais avec la feuille séchée, je peux faire ce que je veux. Par contre, j'ai entendu des bruits bizarres. Fait peur ce jeu un peu, hein. Attendez, mais la feuille séchée, on peut bien... Attendez, mais là on se fout de moi. Fabriquer, qu'est-ce que... On peut rien fabriquer avec ça. Ok, je sais.
Mon allume-feu, il est où? Il est là. D'accord. Alors là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Putain, mais attendez, mais il y a un truc que je comprends pas avec la feuille séchée. Enfin, moi perso, je t'allume un feu avec la feuille séchée. Ah ah! Bon, bah on peut pas allumer le feu. Est-ce que je peux redormir ou pas? Oh yes! Ouais, c'est un coup dur hein, quand on n'a pas le feu. Bon, alors on va se réveiller à 5h30. Ah merde. On va redormir, il fait encore trop nuit, j'aime pas. J'aime pas. Voilà, un petit 7h. Voilà, c'est avec le changement d'heure, c'est pour ça. Ok. Bon, bah on va aller se faire foutre. Là, du coup, il nous faut donc des feuilles de palmier. Alors attendez, ça c'est du palmier, je reconnais. Oh, avec la hache, c'est quand même un peu plus pratique. Vous savez que c'est grâce à ce jeu, mine de rien. Alors, c'est pour le coup, c'est réel. Et alors, la preuve, hein, parce que je vais vous dire un truc qui est complètement faux. J'allais dire, je sais faire la différence entre les feuilles de palmier et les feuilles de bananier maintenant. Bah, comme vous pouvez constater, c'est faux. Donc, ça, c'est des feuilles de palmier, bien sûr. Et du coup, ce qui est. Non, par contre, ce qui est vraiment réel, c'est que depuis que j'ai joué à ce jeu, bah, dans la vraie vie, maintenant, je sais différencier les feuilles de palmier et les feuilles de bananier. Bon, là, je vous ai, comme dit, montré l'inverse, évidemment. Ça c'est parce que je suis un petit peu idiot. Mais voilà. C'est grâce à ce jeu. Il y a 4 ans maintenant. Là on en a également un peu partout. En vrai on est bien, bien installé ici parce qu'on a pas mal de ressources. Donc ça c'est assez pas mal. Et j'ose imaginer. Enfin j'ose espérer plutôt qu'on nous embêtera pas trop là où on est. Parce que ouais, on risque de se faire dans tous les cas embêter les enfants. Voilà, alors avec les feuilles de bananier, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, mais il y en a également pas mal. Donc ça c'est cool. Ah, ça fait plaisir de revenir un peu sur ce jeu là. Donc attendez, ça c'est fleur inconnue. Yes. Alors comment je... Faut que je regarde ma montre, j'ai oublié comment on fait. Ah. J'ai trouvé. Voilà. Oui, donc là, vous voyez que tout descend et ma santé mentale diminue parce que j'ai une sangsue sur moi a priori. Parce que je suis resté trop longtemps dans les feuilles. Alors là, il faut qu'on trouve cette sangsue. Bah oui, certainement. Ah, juste ici. Hop. Voilà. Dégueulasse. C'est bon. Bon. À la base, on en était ici. Allô? Ah, bon bah c'était décoratif. C'est pas grave, c'est pas grave. Tiens, on va récupérer encore des lianes tant qu'on y est. Ça pourra vite servir. Ça veut dire que je voulais abattre cet arbre, non mais alors moi. Voilà, des feuilles de palmier. Merci bien. Comme ça on aura un joli petit camp, mine de rien. C'est vrai, hein. On a juste pas de quoi faire de feu encore. Ah, il nous faut encore du long bâton. Quel échec. Long bâton, long bâton, long bâton. Long bâton. Là. C'est un bâton normal. Je prends quand même. Je prends. Quand même. Il y a des bruits. Il y a des bruits, tu te dis quand même. Je sais pas, c'est... On ira se promener après là. On ira se promener après. Oh bah là on est en forme, ah là on est plein d'énergie. Ouais t'énerve pas enfin. On a ce qu'il faut en termes de hache, t'inquiète. Tiens on va prendre les bûches. Ah mais non mais j'ai pas de long bâton là, ça m'a même pas donné de long bâton. Je me suis fait arnaquer. Terrible. Mais c'est pas grave. On ramène quand même ça à la base. Comme ça on a un petit stock. Si je prends quand même. Long bâton, long bâton. Alors attendez parce que j'ai faim, j'ai soif. Enfin j'ai surtout soif. Du coup, fleur inconnue. Je vais manger. Oh non c'est périmé. Non mes fruits sont périmés. Fait chier. Bon on va les détruire hein. Ah comme ça. Ça du coup je vais manger. No, bad idea.
Bah je savais que c'était une mauvaise idée, je sais pas pourquoi j'ai essayé, c'était un escargot, c'est dégueulasse. C'est pas, on va manger ça, ça donne des glucides, ça redonne de la santé mentale, ça à mon avis c'est pas bon. Eh, c'est bon. Voilà, j'ai plus rien à manger maintenant. Tiens, on va récolter le perroquet, ça fait quoi? Ah yes. Ah oui, mais ça c'est à cause de l'escargot que j'ai mangé, putain. Mais c'est dégueulasse, j'ai vomi sur mon lit. Ok, du coup ça donne des plumes. Tas de petites feuilles. Si je mange les feuilles, ça fait quoi? Ah, c'est pas... C'est intoxication alimentaire. Un bonheur. Je fais que des bêtises. Oh non! Ah, je suis le pire en survie, moi. Ah ouais, là, je suis pas bien du tout. Et là, pour se soigner, il faut des antidotes. Et là, mon ami, je n'ai pas d'antidote. Il n'y a même pas d'aloe vera, il n'y a rien. M'en fous! Je veux aller en bateau. Voilà. J'en ai qu'un seul. Ah, un deuxième. Parfait. M'en fous, je vais mourir, mais je vais terminer mon campement quand même. Hop. Et voilà. Nous avons notre petit campement. On a toujours pas de feu. On est en train de mourir. Mais c'est pas grave. Ok, bon bah écoutez, on va se promener parce que... Bah de toute façon, bah là je suis, on est dans le mal. On va aller par là-bas. Ah ouais, on est pas bon du tout là. Alors je sais pas si j'espère tomber sur une gourde d'eau que quelqu'un me laisserait gentiment. Je sais pas vraiment ce que j'espère en allant là-bas, mais sait-on jamais, on a trouvé un couteau en os dès le début, souvenez-vous. Bah ça par exemple. Ça par exemple, je suis pas sûr que ce soit bon, mais tant qu'on y est. Alors la viande crue c'est parfait, mais... Oh! Allez, je mange. Par contre, ça donne pas à boire. Ah! Oh, j'ai trop le seum. Ah ouais, non, bah là, je suis mort, là. Là, voyez en bas à gauche, j'ai tout. J'ai de la fièvre. J'ai du poison. J'ai du vomi. Et alors, encore, le vomi, c'est pas grave. L'intoxication alimentaire, c'est pas grave. C'est pas si grave, en tout cas, dans ce contexte. Mais là, c'est... Ouais. J'ai de la fièvre et surtout, bah, j'ai été empoisonné par ce serpent venimeux. Et ça c'est pas bon du tout. Et ça c'est pas bon du tout. Ouais bah je sais pas à quoi m'attendre là en fait hein. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Genre je vais trouver une potion miracle là. Très sympa. Vous avez entendu le serpent là? J'ai failli me refaire encore à voir. Ça aurait pas été si grave, ça aurait abrégé mes souffrances me diriez-vous. Oh! Mais je connais cet endroit! Énorme, on est au début du jeu du mode histoire ici. Bon bah c'est la mort. C'est la fin de l'aventure! Ah bah là je peux rien faire. Hein. Là je ne peux rien faire. C'est absolument horrible les amis, mes derniers mots. Lesquels seront? Je ne sais pas. Je mange tout ce que je vois. Ça ne changera rien. Je suis empoisonné, les amis. Je ne peux rien faire. Ça, c'est clair et net. C'était mon dernier vomi, à mon avis. Là, je pense que je vais me... Ah!